mon péril. C'est parce que l'année prochaine se termine encore par le chiffre 4. Comme en 1984. Proverbe
exactement ceci. Aouh! Aouh! Youhou! Ah ah! C'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, entre les deux belles familles, le sang de la langue ne se mêle pas totalement et ne se crache pas totalement. Donc on saura comment on va faire. Mais je vous assure que cette carte ne peut pas partir et ne pas revenir. Parce qu'elle même est d'abord charmée par le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays exceptionnel. Un pays exceptionnel. Parce que l'un des plus grands sages d'Afrique et même du monde, c'est au Cameroun. Son Excellence le Président Paul Biya. Et vous voyez que la carte peut venir le saluer comme ça et partir, il veut Paris. Je ne pense pas. Un pays où les ministres parlent français comme si on avait ouvert un livre à la page 18. Si le ministre des Sports prend la parole là, vraiment prenez le dictionnaire. Un pays où le président de la fête d'un foot ressuscite les morts. Parce que le ballon d'or était mort. Le président de l'Afrique en foot là, ressuscité. Quand you are not happy, c'est-à-dire tu ne pars pas. Un pays où règne le vivre ensemble entre Camerounais. Vous savez, le chef de l'État lui-même a dit un proverbe. Cameroun is one and indivisible. C'est-à-dire, en un mot, pour tout dire, en somme, en définitive, bref. Quand les Lions Indomptables marquent un but, il n'est ni francophone, ni anglophone, c'est le but des Camerounais. Et je dirais pour terminer que ici au Cameroun, c'est le vivre ensemble. Et une canne ne peut pas arriver, voit se vivre ensemble et repart sans revenir. Parce qu'ici au Cameroun, tous les Camerounais se disent « je t'aime » dans toutes les langues du pays. On se dit « je t'aime » en étoile, mais dis-moi « madame ». On se dit « je t'aime » en boulou, manyo. On se dit « je t'aime » en douala, attendez-moi. On se dit « je t'aime » en foufoulé, mi-imawa. Et même quand on est fâché, on te dit je t'aime dans la langue la plus sentimentalement violente du pays. Et vous croyez que la canne qui voit tout ça, qui attend tout ça, va repartir? Vraiment, je voudrais dire au président de l'Afrique Foot, I am very hungry. C'est-à-dire, je suis content. Et Kouchassia m'a dit que si la CAN ne revient pas au Cameroun l'année prochaine, elle va me soumettre à un délestage sentimental aigu, continu et accru. Donc vraiment, que les lions indomptables ne me fassent pas ça. Que la canne revienne et que je retrouve mon lit conjugal en paix. Bon, je dis à tout le peuple camerounais, aux lions indomptables et à notre chef de l'État, God bless you. C'est-à-dire que Dieu blesse tous les ennemis du Cameroun.